Une femme qui exerce la cordonnerie dans cette édition. Nous irons à la rencontre de Bintou pour voir comment elle tire son épingle du jeu dans un univers dominé par les hommes. En Haïti, le procureur demande l'inculpation du Premier ministre dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI2. Elle se nomme Bintou et est cordonnière, un métier en majorité exercé par les hommes. Un fait qui n'effraie pas cette femme de 32 ans. Bintou s'est installée au quartier Sable dans la commune de Yopougon. Elle lave, cire et répare les chaussures depuis une dizaine d'années. Son courage et son abnégation forcent l'admiration de la clientèle, comme nous l'explique Noussangaré dans son reportage commenté par Alassane Drabo. C'est le lever du jour au quartier Evea, dans la commune de Yopougon. Bintou, 32 ans, est cordonnière. Ce matin, elle se prépare pour rejoindre son lieu de travail. On dit que les cordonniers sont toujours mal sauchés. Donc, mais moi, c'est pas le cas. Moi, il me rend toujours pour aller au travail. Il faut qu'on sente sur moi que là, et c'est toujours propre. Victime d'agression à maintes reprises sur le chemin du boulot, elle a dû aménager son programme pour rallier le quartier Sable, son lieu d'activité toujours dans la commune de Yopougon. On m'a agressé ici à 5 heures. Donc maintenant j'attends qu'il fait jour, les gens sortent beaucoup. Maintenant je sors avec eux à 8h30, 8h30. Je sors maintenant. Laver, réparer et cirer les chaussures, une activité que Bintou exerce depuis une dizaine d'années à ce carrefour de la commune de Yopougon. Cette activité semble bien lui réussir avec un gain de 6 à 7 000 francs CFA par jour. Oui, mais si elle gagne un peu dedans, c'est mieux. Hein. Ça me va droit au cœur. Donc. J'aime ça. Souvent, on gagne pas même. Quand on peut gagner 2 000 comme ça. Une somme qu'elle doit partager avec Seydou, un jeune homme avec qui elle travaille depuis des années. Je l'ai connu quand elle se promenait pour cirer. Voilà, elle se promenait pour cirer. Donc maintenant, elle vient me voir. Bon, j'ai dit, OK, on va s'associer, on va travailler ensemble. On va mettre l'esprit ensemble là. On va voir ce qu'on peut développer. Elle a l'esprit d'une femme battante. Ouais, elle se bat beaucoup. Elle n'aime pas s'asseoir, bon, souvent comme les autres femmes que je connais, qui vont demander, non. Au quartier Sable de Yopougon, Bintou est bien connue de tous. Son abnégation et la qualité de son travail forcent l'admiration de sa clientèle. On a l'habitude de voir les femmes vendre de l'eau, des condiments, des bananes, des fruits. Mais voir une femme cette tâche-là, vraiment, j'avoue que je suis venu m'éveiller. Vraiment, tous mes encouragements. Cette dame. Ouais. Il est encouragé pour ce qu'elle fait, parce qu'il n'y a pas de seul métier. Hein. Tout métier aujourd'hui est autant pour les hommes comme pour les femmes. Hein. Quand tombe la nuit, Bintou et Seydou font le point de la journée. Non, on a eu 3 500. Donc comme c'est mon petit, il est marié, là, moi je suis pas marié, moi j'ai pris 1 500. La journée n'a pas été fructueuse aujourd'hui. Cependant, elle ne désespère pas. Elle a foi que la prochaine fois sera bonne. Ça n'a pas été facile. En tout cas, par la grâce de Dieu, on a eu ce que Dieu nous a donné. Bon, demain, Dieu va nous donner plus que ça. Lui, il va rentrer avec les affaires. Moi, je vais aller voir mon maman. C'est à Port-Boué-2, un autre quartier de Yopougon, que vit la mère de Bintou. Fille aînée, elle est issue d'une famille polygame. Pour faire face à la souffrance de sa mère, elle a dû quitter le domicile familial à la recherche d'une activité. À cette dernière, elle n'a jamais dit l'activité qu'elle exerçait jusqu'au jour où nos caméras arrivent au domicile familial. Je ne savais pas qu'elle exerce le métier de cordonnier. Ma fille m'a toujours dit qu'elle vend des bijoux et des bracelets à la gare de Sable de Yopougon. Quand je lui rendais visite à son lieu de travail, elle me montrait une table de vente de bijoux. C'est aujourd'hui que je me rends compte qu'elle n'a jamais exercé le commerce de bijoux.
mais je ne peux que lui faire des bénédictions et l'encourager dans ce qu'elle fait, surtout qu'elle gagne sa vie honnêtement. Aujourd'hui, Bintou est tout pour moi. Elle est comme mon mari depuis mon divorce avec son père. Non, elle voulait quelque chose de mieux venant de moi. Ce n'est pas ce travail-là qu'elle voulait. Je voulais beaucoup aider ma maman. À cause de ça, j'ai fait ça. C'est mieux avoir su te promener de la garçon, te vendre. Donc je n'ai pas aimé ça. Ça, c'est mieux. Même si elle gagne que moi, elle ne gagne pas. Ça me suffit. Si le métier de cordonnier, majoritairement dominé par les hommes, est vu comme celui des débrouillards, Bintou entend bien continuer à l'exercer pour toujours afin de subvenir aux besoins de sa famille, surtout à ceux de sa mère. La plateforme de développement des richesses, constituée essentiellement de commerçants et d'agriculteurs, a procédé à l'investiture de sa présidente. C'était récemment dans la commune de Trècheville. On en sait plus avec Joël Gossy. C'est une cérémonie d'investiture marquée par la forte présence des commerçantes venues des différentes communes d'Abidjan. C'est à l'espace friperie du marché de Belleville, de la commune de Trècheville, ce mardi que la plateforme pour le développement des richesses de Côte d'Ivoire, PDRCI, a procédé à l'investiture de sa présidente. Création d'emplois pour les jeunes, autonomisation de la femme, valorisation des produits locaux et défendre les intérêts des commerçants et agriculteurs, tels sont les objectifs que s'est assigné la plateforme. L'agriculture, c'est ça la richesse. C'est à partir de l'agriculture que la richesse se met en place. Nous avons besoin d'encourager tout le monde, de permettre à ce que chacun de nous puisse être en activité. Et nous voulons créer l'emploi. Donc, il faut mettre des organisations en place, travailler avec ceux qui peuvent nous accompagner. C'est dans ce cadre-là que nous avons mis en place la plateforme pour le développement. Le représentant du maire de la commune de Trècheville a invité la plateforme à œuvrer pour le bien-être des commerçants et agriculteurs. Il faut que nos jeunes comprennent que l'Eldorado, c'est ici, c'est pas ailleurs. On peut rester ici et puis réussir. Et j'en arrive à la plateforme. Il faut faire preuve de sérieux. Il ne faut pas venir ici, donner du rêve et demain... Tous vos téléphones sont fermés. C'est un engagement que vous prenez. Ces pauvres femmes sont en train de rêver avec vous. Vous n'avez pas le droit de faire autre chose que ce que vous avez promis. La présidente de la plateforme Section Abidjan a encouragé les femmes à plus d'abnégation au travail. Créée en 2006, la plateforme pour le développement des richesses existe sur tout le territoire ivoirien aux côtés des agriculteurs, commerçants et jeunes pour redonner à l'agriculture son succès d'antan. Ici à Abidjan, les pasteurs de l'Union des Églises évangéliques, services et œuvres. Il s'agit bien sûr du pasteur Kei Tobo Bernard. Il a été célébré, une activité de l'Église tenue récemment dans la commune de Yopougon. Les détails avec Clément Boko. Toute une vie au service de Dieu. Le pasteur Kei Tobo Bernard l'a fait. Pendant 43 ans, cet homme de Dieu a consacré sa vie à l'évangile du Christ et c'est dans la joie des fidèles de l'église USO de Yopougon qu'il part à la retraite. Ils ont tenu à l'honorer pendant ce culte d'action de grâce pour ses nombreuses actions au service de Dieu et de l'église qu'il a servi pendant plusieurs années. L'orateur du jour, le révérend pasteur Siméon Gueux, président national des églises USO Côte d'Ivoire, a insisté sur le fait que les fidèles doivent honorer les hommes de Dieu de leur vivant. À cet effet, Honoré Séa, vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan et fidèle de l'Église, a traduit sa gratitude au corps pastoral. Nous voulons profiter pour dire merci pour les prières qui sont montées vers Dieu. La Bible nous recommande de prier pour les autorités établies par Dieu, parce que c'est lui Dieu qui établit les autorités. Au terme de cette cérémonie, le vice-gouverneur a fait plusieurs dons au pasteur. Il avait à ses côtés le président national des Amis de la République, Aymon William. Rendons-nous à Niablé. Cette ville de l'Est du pays a abrité le week-end dernier la première édition du concours Vacances Utiles, un concours de danse et de faits historiques.
Trois groupes étaient en compétition. C'est une initiative de la municipalité de Niablé. Georgette Ido était récemment à Niablé. Occuper sainement la jeunesse pendant les vacances scolaires, c'est l'objectif de cette compétition chorégraphique « Vacances utiles » organisée à la Cour royale de Niablé. Étaient en compétition. Les petits génies de Zouloulou, les enfants de la fondation Tano Kwasi Albert et les Marocains. Ces groupes sur scène ont fait montre de leur talent. Cette édition, la première du genre, une initiative de la municipalité de Niablé. Elle marque la fin des vacances scolaires et vise à promouvoir la jeunesse. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'aller à Abidjan. Participer aux activités organisées par la RTI. Nous organisons pour tenir nos jeunesses en allège. À l'issue de cette compétition, le groupe Les Marocains a remporté cette édition. Je remercie M. le maire d'avoir organisé toutes ces choses-là pour ces vacances. En tout cas, nous sommes fiers. Selon le président du jury, ce groupe s'est distingué par l'originalité de ses prestations, mais aussi par la pertinence du sujet abordé dans leur fait de société, un thème sur la réconciliation nationale. C'est une victoire amplement méritée. Ils nous ont présenté un fait d'actualité. Et les acteurs étaient de taille. Je pense qu'ils ont démontré aussi par la danse, la chorégraphie, le décor, tout y était. La jeunesse de Niablé entend les années à venir participer au concours national de variétoscope organisé par la radio-télévision ivoirienne, la RTI. À l'étranger, en Guinée, les militaires qui ont pris le pouvoir ont ouvert ce mardi 4 jours de consultation pour définir le contenu d'une transition censée ramener les civils à la tête du pays à une date inconnue. Jusqu'à vendredi, vont se succéder auprès des putschistes, les chefs des partis politiques, puis ceux des confessions religieuses, mardi, suivis par la société civile, les diplomates étrangers, les patrons des compagnies minières ou encore les syndicats. Plus loin, en Haïti, le chef du parquet de Port-au-Prince a demandé ce mardi au juge enquêtant sur l'assassinat du président Jovenel Moïse d'inculper le premier ministre Ariel Henry en raison d'appels téléphoniques qu'il aurait eu avec l'un des principaux suspects du meurtre. Une requête que le chef du gouvernement qualifie, je cite, de manœuvre de diversion pour semer la confusion et empêcher la justice de faire sereinement son travail. Le président Jovenel Moïse a été abattu le 7 juillet dernier par un commando armé à son domicile de Port-au-Prince. 44 personnes, dont 18 Colombiens et 2 Américains d'origine haïtienne, ont déjà été arrêtées dans le cadre de l'enquête sur ce meurtre commis à son domicile sans qu'aucun policier de sa sécurité rapprochée ne soit blessé. Cette édition est terminée. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. À très bientôt.